Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode infâme sur une fameuse 2. Alors la dernière fois, je rappelle, on a découvert un nouveau quartier, le quartier inondé qui était ici, qui n'est pas un quartier assez vraiment très bien sympathique pour Cole, puisqu'il est inondé comme le nom le dit. Du coup, il y a de l'eau partout, et la dernière fois on a dû mettre le courant partout dans le quartier, alors qu'il y a de l'eau partout. Est-ce que j'ai déjà dit qu'il y avait de l'eau partout? Non, je crois que j'ai pas dit assez. Voilà, c'est parti pour la suite de l'histoire. L'histoire infâme. Parti pour la cinématique, tic-tic. Hé, quoi de neuf? Wow, mec, t'arrives juste à temps. On est mal ici, mon pote. Vous êtes mal? Je croyais qu'on avait un antidote. Non, c'est moi le mal. Y a pas d'antidote. Presque tout flou de temps, on est en train de mourir. Et tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est de soulager leur souffrance avant qu'ils meurent. Le seul problème, c'est... que tous ceux qui tentent de traverser pour nous rejoindre se font attaquer. Saleté de monstre. J'ai installé des défenses tout autour du camp. On a besoin de jus pour les alimenter. J'espérais que tu pourrais nous aider. Je vais faire de mon mieux. Oh, il faut redémettre encore le courant aux gens. Et c'est parti. Un truc vient de déclencher un capteur de mouvement. Ah non, bah peut-être pas alors. T'es prêt à l'avoir? J'arrive. Oh, les tatouages magnifiques, regardez-moi ces tatouages qui montrent à quel point je suis infâme. Alors, ah, pardon, alors il dit, j'aime bien ce qu'il dit, t'entends ces sonneries. Il montre devant, mais c'est derrière. Ah, ok, bah, ok. Bah, s'il préfère le derrière que le devant, hein, c'est son choix. Je ne vais pas lui dire non, hein. Il fait ce qu'il veut. Bon, alors attendez, parce que c'est par où c'était de connerie. Ah, c'est là-bas, ok, on y va. On plane. Bien. Oui. Trouve le projecteur que j'ai installé sur le toit. Ok, bon, bah, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah bah, il y a juste à faire ça. Craignez ma lumière, ô mortel. Tu sais que c'est qu'un projecteur, hein? Je le sais bien, tu peux me croire. C'est un projecteur à UV qui déchire. Il tue. Il est baptisé le rayon Dunbar. Suffit de l'orienter sur les monstres des marais pour les griller. Ah ouais, je vois ça. Les machins, ils explosent, ils disparaissent, c'était sous la fumée. Voire avec un mélanome. Mais bon, ils sont déjà malades. Ouais, on va pas leur rajouter une petite cancer de la peau. Ah, concentrer le rayon, d'accord, excusez-moi, je reapprenais les touches. Oh, mais mademoiselle, vous allez bronzer un peu, vous avez la tenue pour. Bon, bah, on leur offre un peu de lumière et de bronzage, un peu de UV gratos. Les gens, à la fin, ils vont devenir tous bruns. Je me dirige pas du tout là où il faut. C'est parti, c'est par là. Avec une petite... Oh, écoutez-moi cette petite musique douce aux oreilles qui vous fait donner envie d'aller vers les îles et de bronzer un peu. Ah, vous l'avez senti, je l'ai senti. Le fragment, il est là, je l'ai senti. Bon, je l'ai surtout vu, mais je le sens aussi. Parce que moi, je sens les fragments. Et oui, je suis un homme comme ça, je sens les choses. Attendez, parce que c'est en hauteur, alors faut que je remonte là-haut. Ah, attendez, il y a une échelle. On va prendre une échelle pour une fois, parce que... ça c'est bien de grimper, mais s'il y a une échelle pour raccourcir. Alors, ils sont où, les monstres? Ils arrivent? Là-bas, je vois un truc. Oh, bah, oh, 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 ça c'est efficace en tout cas. Ton projet est d'enfer. Ah bah ouais, ça c'est clair, je voudrais l'avoir. On peut pas en avoir un de poche? Je suis sûr, on peut en créer un de repoche. Oh mais c'est trop cool, regardez-moi ça, les machins ils craignent le soleil. Alors pourquoi dans plusieurs épisodes ils étaient de jour, hein? Ils craignent les trucs UV, faut pas trop qu'ils passent... Faut surtout pas qu'ils vont à Tahiti. Oh lui, il a un peu volé. Faut surtout pas qu'ils vont à Tahiti, sinon ils sont de la merde. Attends, il est où? Parce que je vois pas, moi. Ah oui, bah suivre les giclées de spermatozoïdes verts, ce serait plus simple. Oui, attends, bah attends, je les cherche. Attends, je vois un truc là. Il est en haut. Il est en haut. Ah d'accord, il était pas fini, lui, je crois qu'il était fini. Un petit coup de rayon dans son cul, ça lui fait du bien. Je lui ai fait bronzer un peu le cul. Allez, toi, bronze un peu du cul aussi, hein. Voilà, ça va te faire du bien. Oh, en vrai, oh, comment en vrai tu devrais tomber, quoi. T'as deux jambes dans le vide. C'est bon? D'accord, c'est bon. Ici, ce côté-là, c'est fini. Et c'est parti pour... on va bronzer les monstres. Voilà, c'est aujourd'hui bronzage. Mes chers amis, je vais vous apprendre à bronzer avec les UV. Alors, surtout, n'oubliez pas de mettre bien de la crème UV pour faire pénétrer l'UV bien dans votre corps. Et si possible, de mourir d'un cancer de la peau. Voilà. Mourez!
Craignez ma lumière, car je suis l'éternel, l'éternel infâme. Si je peux en mettre un petit peu de cancer de la peau aux gens aussi, ce serait bien, les faire griller un peu en même temps. Oh putain, qu'est-ce que ça donne comme point? C'est gratos, c'est bien, ça j'aime bien. Attends, il y en a un peu par là. On fait le ménage, je fais le ménage. Alors voilà, ici, là, 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 voilà. Est-ce que ça réchauffe un peu l'eau aussi? Parce que je peux leur faire un petit jacuzzi aussi aux gens. Profitez-en, allez-y, pour une fois je suis un peu gentil. Je vous offre des UV gratos. Bon, c'est plutôt Zeki qui vous offre des UV gratos, plus le cancer de la peau. Mais bon, ça, vous verrez ça avec lui, hein. Moi je m'occupe que de faire le sale boulot. Oui, j'arrive, 2 secondes, hein. Je peux pas être à 2 endroits en même temps, à part si Claude apprend le clonage, ce qui serait stylé. Mais pour ça, il faudrait qu'il regarde Naruto. Le truc il était là. Voilà, attention, je vais atterrir dessus. Oh oui, je suis tellement stylé. Allez, je vais vous mettre sous les feux des projecteurs, les gens. Allez-y, faites-moi une petite danse. Faites-moi votre spectacle. Aujourd'hui, spectacle d'explosion de magie. Je vais vous apprendre comment disparaître tel un nuage de fumée putricide et vert. Regardez-moi ça. Pouf. Bon, eux, ils disparaissent pas en faisant ça, mais ils me cassent le truc. Voilà, regarde, pouf. Disparition. Disparition ninja. Disparition ninja. Putain, ils en ont mangé ces faillots, des faillots ces monstres, hein, pour faire une fumée aussi verte et éjaculer du sperme vert. Bon, je sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, et beaucoup de légumes aussi, mais bon là, à ce point là, les gens. Bon, on a compris. Ils sont trop nombreux. Oui, bah là, il y a un peu de monde partout. Sauvez-en le maximum, on compte sur vous. Et en plus, je suis sûr qu'en vrai, je suis sûr que ce projecteur là, je suis sûr on peut faire, un gros rayon portatif que Cole mettrait dans son dos. Et franchement, je suis sûr que ce serait faisable. Il faudrait juste qu'ils aient un peu d'imagination, les mecs. Mais après, vous allez me dire, ouais, mais ça facilite les choses. Ouais, mais c'est marrant quand c'est plus facile. Moi, ça m'avantage, je fais moins de feuilles. Madame, vous voulez un peu d'UV? Vous êtes pas très bronzée, madame. Putain, mais je leur offre du UV, ils veulent pas. Oh, cette dame, regardez! Stylement qui avance sous les feux du projecteur. Oui, voilà, hop. C'est bon? Attendez, il y en a encore par là, mais je peux pas aller. Ah, il y en a un, je l'ai vu. Il était en train de sonner à la porte, il colportait. Bonjour, est-ce que vous voulez rejoindre la secte des monstres? Vous aurez gratos une couverture santé dentaire des plus folles et inimaginables. Rejoignez le cercle des monstres. Vous boufferez toujours de l'humain. Voilà, regardez-moi comme ça. Et on disparaît aussi en fumée quand on meurt, c'est cool. Pas besoin de payer le cimetière, le crématorium et tout. Même pas besoin de faire l'incinération, on disparaît. Ouais, attendez, il y en a un en dessous, mais je peux pas le voir, il est caché derrière le poté. Viens, Jean-Louis, il est où? Il est là, je peux pas l'avoir aussi, il bouge pas. Bon, attends, il est bugué. Voilà. Il est pas KO? Là, t'es KO quand même. Ah, voilà. Oh, pardon, par contre, faut que je remonte. Ah oui, mais il voulait pas bouger, monsieur l'arbitre, il voulait pas être dans le scénario, le monstre. Ouais, attendez, il y a un truc écrit par terre. Alors, à l'endroit serait mieux. I had the militia. Je veux la milice. La milice. Les gars, ça marche pas! Vous avez fait tout votre possible, Cole. Retournez au camp. Si excusez-moi, il était en train de lire un message. Pour une fois que je sais traduire le français. Attendez, faut aller par là. Ok, faut aller par là. J'arrive! C'est moi qui débarque! Alors, j'ai appuyé sur carré, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop! Et... attention! Oh oui! Coup de fourche en ta gueule! Non, c'est mon marais! Excuse-moi, je vais te repréciser les choses. Mais c'est mon marais! Voilà, hop! Oh, bah tiens, ça m'a aidé, merci! Tu m'as poussé pour électrocuter ton copain monstre. C'est bien sympathique. De ta part, percute fourche. Bon là, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Je veux votre âme. Oui. Le pouvoir. Oh oui, regardez-moi. Ce nombre de kills. Il en reste que un, quoi. Eh bien, c'est qui faisait un rayon blanc? Eh, c'est toi qui m'as spermé dessus, là? Oh, monsieur, docteur Freeze. Viens là. Merci beaucoup, vous êtes super les gars. Mais non, mais il est,
On veut ton noyau d'énergie. Oh là, arrête d'essayer d'imiter Dark Vador, ça marche pas. Ou alors t'as un problème respiratoire. Je comptais vous le dire. Oui, dans mon cul, tu comptes de me le dire. Plutôt que crever que de vous le donner, Arthur. On accepte des conditions. Voilà. Mec, faut consulter, faut aller voir un médecin. Parce que franchement, ça me fait mal d'attaquer quand même quelqu'un de malade qui a un problème apparemment dans les poumons, hein, parce que faut le dire. Hein. Eh mec, attends, mais on peut peut-être briser la glace entre nous deux quand même. Non ? Ok, bon bah ok, allez, bon. Oh bon, ouh. Allez, voilà, bah t'es vite fait KO. Putain, d'habitude c'est un peu plus costaud que ça, les mecs. Je suis trop fort maintenant. Ah ! Attendez, il y a un homme qui est en train de bugger. Regardez-moi cet homme. Oh là là, regardez, c'est magnifique. Ah, regarde, j'ai des pouvoirs de télékinésie, on dirait. Allez, voilà, screenshot. Voilà, voilà, une petite photo. L'infâme a des pouvoirs télékinésiques. C'est nouveau, allez hop. Oh, allez hop, le cancer, allez hop. Allez, allez, un coup de fourche quand même. Voilà, allez. Oh, c'était trop cool ce bug, j'adorais, encore. Oh, un bug super bien. Alors franchement, vous voyez, des fois je me plains des bugs, mais là franchement c'était super. C'était un bon bug. C'était un bug, tu vois, que tu voudrais avoir plus souvent dans les jeux vidéo comme ça. Ce noyau d'énergie est à vous. Pourquoi tu regardes la fenêtre ? Une autre petite faveur. Parle-moi en face quand même. Putain, le mec il me tourne le dos quand il me parle, quoi. Mais merde ! Parle-moi en face. Ouh, putain, t'as la chance que je veux pas te taper, que t'es dans l'histoire. Hein. Ah, ça y est, c'est fini ? Est-ce que le truc là, de glace, je peux le casser ? Oui ! Ah non, parce que là, non. Non, parce qu'à un moment, il faut briser la glace, parce que sinon... Voilà, hein. J'ai pas d'autre blague à faire. Je suis en panne. Voilà, par contre, je suis pas en panne pour griller les gens, ça c'est clair et net. Alors, on continue encore un peu dans l'histoire, mais on est qu'à 12 minutes. Mais c'est cool, ça. Écoutez, on est parfait. Franchement, je croyais que ça allait plus long que ça, parce que de mes souvenirs à moi, le truc avec les projecteurs, c'est rigolo, mais c'est chiant, parce que bon, faut que tu le fasses 30 fois de suite, mais bon. Là, ça va, en fait, quand j'enregistre, le jeu l'a dit, oh bah c'est bon, on va pas le faire non plus, durer 30 piges. Oh, attention, on va tomber dans l'eau. Ah putain, je déteste cette carte. Je déteste ce quartier. Ce quartier, quand je serai le maître de la ville, je raserai ce quartier pour en faire un quartier en hauteur où il n'y aura pas d'eau. Et alors, on se bat pas dans ma ville. À part si c'est moi qui me bats, là j'ai le droit de me battre. Moi, patate ultime de la mort qui tue mon gars. Pardon, excusez-moi, il a fait une tellement belle patate que... J'ai joui. Bon, alors attendez, parce qu'il faut que j'avance. L'histoire, elle est par là. Oh là, bonjour messieurs, comment allez-vous? On descend un peu de ce toit si vous voulez. Bien, parce que j'ai une mission à faire. Attrape le cancer, voilà. Cancer des poumons. Voilà, arrête de fumer, c'est dangereux pour la santé. Et arrête de faire griller les saucisses aussi, t'as vu, c'est dangereux. Ça devient difficile de respirer. Bonjour monsieur. Alors, on vient dire bonjour. Hé, hey, j'étais monté sur son dos. Si vous arriviez à étouffer les flammes, on serait ravis. On parlera du noyau d'énergie. Oula, la caméra. Oui, quoi. Arrête de faire oui, là. Il fait oui, le mec. Oh, attendez, hop. C'est vrai que j'ai le snipe pool. Oh, headshot. Et moi, je joue à Call of, mon gars. Moi, je fais des headshots tous les jours. Oh merde, il était bien KO. Je crois qu'il y aurait encore un peu en vie. Oh putain, je me suis dit, Cole, il peut se coller au mur, c'est Spider-Man. Non, mais non, est-ce qu'il y a des rayures, ok, à côté. Oh, c'est dommage, c'était stylé, ça faisait Spider-Man. Ouais, hé. Oh, je suis en train de penser à un truc. Attendez, excusez-moi, je fais juste pause. Je pense à un truc dans ma tête. Imaginez les développeurs, Sucker Punch et tout ça, et les éditeurs qui font un Spider-Man. Et franchement, bon, ce serait peut-être pas le meilleur Spider-Man. Oh, quoique, franchement, je pense qu'avec Infamous 3, enfin, le prochain Infamous... Enfin, la suite de Infamous 2 que j'ai fait. Ah si, ça pourrait le faire. Oh si, franchement. Oh, Sucker Punch, faites un... Franchement, avec le monde ouvert, on peut grimper, franchement. Mais franchement, c'est fait pour qu'il fasse un Spider-Man, non? Oh, franchement. Oh, ça serait cool. Alors, ramasser... Ah d'accord, il faut que je couvre un puits. Alors, attendez, excusez-moi. Mais tu vas mourir? Attendez, il faut que je me débarrasse des gens. Il me faut tout chier. Les mecs de glace, les mecs en jaune. Tout le monde me fait chier.
Oh, c'est fini, oui. Alors attendez, parce qu'il faut que je change. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il faut que je change ce pouvoir-là. Par celui-là, voilà. Comme ça, je peux porter. Il faut que je le mette là. Bon, c'est bien mis, là, arrête. Oula. Voilà, là, c'est bon. Bon, il nous reste qu'un seul couvre-puits. Et le prochain puits est de l'autre côté de Flouton. D'accord. Ah, oui, oui. Avant l'inondation, on appelait ce quartier Bellevue. Ah, que de souvenirs. Oh, il y a une bombe. Oh, mais il y a personne à tuer. Dommage. J'aime toujours ce lieu. Ah si, j'ai baissé les cibles. Bon, il y a du caractère, il y a surtout beaucoup d'eau. Hein. Écoutez, ah, il est en train de mourir du cancer du poumon. Ça, c'est à force de trop t'approcher de Monix. Hein. Ces hommes de glace, ils sont pires que les fils. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils mettent le feu au puits, c'est de la folie. Si vous me donnez le noyau, on sera tous les deux gagnants. Et vous voulez d'accord. Le donner à chaos direct. Bon, c'est fini cette histoire. Ah, c'est vrai que vous nous avez aidés jusque-là. Si bon, pas vraiment, mais bon. Éteindre ces feux, on vous aidera. Allez, ta gueule. Excusez-moi. Veuillez vous calmer, monsieur. Voilà, on se calme. Ah, voilà, c'est bon. Enfin, on va pouvoir accéder à la suite. Mettez un couvre-puits sur le prochain puits. Bah, ça y est. Ah, d'accord, il faut reprendre le couvercle. D'accord, excusez-moi. Oh, toutes mes excuses, mais moi j'avais compris qu'il y en avait plusieurs couvercles. Alors, bon, se promener de couvercle en couvercle. Le couvercle en couvercle. Ça, c'est super chiant. Je l'avoue. Alors, attendez, parce que mon machin, il est où? Il est là-bas. Putain, j'ai lancé sur. Oh, putain, regardez-moi cette force qu'elle a, l'infâme, quand même. Regardez à quelle vitesse, à quelle lointaine altitude on l'a envoyé ce couvre-machin. Attends, il est où? Il est en bas? Il est en bas, non? Attends, il est dans l'eau? Non, il est dans la. Alors attendez, parce que là je suis pas là. Attendez, excusez-moi. Avant. Hop. Je l'ai lancé, on est d'accord? Il est atterri par là, mais comment il a pu atterrir à l'intérieur de ça, vu que s'il y avait un putain de toit? Posé. Oh, mais tellement fu. Oh non, mais j'ai fait exprès en fait. J'ai fait exprès, excusez-moi. Oui, mais j'ai oublié que l'infâme il était bon et tout. Il est super balèze en même temps. Bon, alors attendez. On va le voir se diriger. Ah, c'est là-bas, alors attendez. Un petit peu, peut-être un peu loin. Excusez-moi. Oh, bah Bertrand. Bah, il pète de la main. Il pète des mains. Maintenant, Bertrand pète des mains. D'accord, il y a des monstres qui meurent. C'est énorme. Elle a un petit coup de jus. 5 sur 5. On dirait qu'il y a un lien entre Bertrand et les monstres du marais. Ou je l'ai envoyé vraiment trop loin en fait. Sur cette gare de triage. Mais bah attends, excuse-moi, mais je suis en train de faire le truc du couvercle, je sais pas. Bah oui, bah attends, je vais le chercher le truc. Il est où? Oh, il est posé là, putain. Alors attendez. Bah vas-y, bon. Bah il est bugué. Oh non! Oh non, il est bugué! Je peux pas le prendre! Oh, excusez-moi les gens, mais attendez, peut-être que si je... Ah voilà, excusez-moi. Non mais je vous assure, il était bugué, hein, vous l'avez... C'est bon? Mais non, mais c'est pas ça que je veux, c'est ça. Mais il veut... Alors, bon, c'est un fail, certes, mais pas cette fois-ci, c'est pas ma faute. Le jeu, il a dit non, je pouvais pas le prendre, quoi. Non mais ce jeu, quoi. Bon, là, on va l'envoyer là-bas. Excusez-moi madame, voilà. C'était juste fallait que j'atterrisse. Ah mais non, mais on a vu, oui, il pète des mains, c'est bon, on a vu ça, on peut pas passer. C'est un peu dégueulasse, en plus on comprend vraiment pas tout ce qui se passe. Bon, il y a des petites couilles, là, ok, j'ai vu les petites couilles. Il y a un mec qui se transforme en monstre, qui est meurt. Il est mouru. Oh merde, il est dans l'eau, je suis dans la merde. 5 sur 5. On dirait qu'il y a un lien entre Bertrand et les monstres du marais. Il faut enquêter sur cette gare de triage. Attends. Ah oui, mais. Ah voilà, merci. Bon, alors, excusez-moi, il y a pas mal de bugs là. Mais là, vous jure, cette mission-là, d'habitude, elle se passe bien. Hein. J'ai jamais eu de bug hein, sur celle-là. Comme par là, quand j'enregistre. Mais attendez, mais je l'ai pas envoyé. Bon, on va prendre le pont. Ah, putain, je peux pas passer. Ah si, c'est bon.
Voilà, voilà. On met bien au milieu. Voilà. C'est bon ? Alors ensuite, ça va, c'est par où ? C'est par là ! Excusez-moi, je vais essayer de terminer ça assez vite parce que je vous avouerai que pour moi et pour vous, c'est assez chiant. De toute façon, peut-être que je couperai certains passages, je ne sais pas. J'y suis presque. Ah bah si ! Ah bah si, je suis l'infâme ! On t'a pas mis au courant. Attends, je vais essayer de faire rebondir là-dessus. Est-ce que ça a marché ? Oui ! Oh bah monsieur, vous m'avez loupé ! Monsieur, je vais apprendre comment viser. Attends, est-ce qu'il y a ton pote, il est pas KO là ? C'est un sac à PV ! Il est où ? Attendez, j'arrive hein. Excusez-moi, parce que j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de vous aussi. Attends, est-ce que je peux descendre? Attends, on va essayer de faire ça. Voilà. Comme ça en fait. Pas assez près. Voilà, voilà, il se remet droit tout seul, c'est parfait. Voilà, on fait la suite. Maintenant on l'envoie très loin. Par là. Putain, cette puissance qu'elle a infâme quand même. Messieurs, veuillez m'excuser, je vais vous snober. Je ne vais pas m'occuper de vous. Vous êtes trop. Vous n'êtes pas intéressant pour la femme. Vous n'êtes pas assez intéressant. Faites venir le gros balèze là. Parce qu'il était marrant, il buguait. Ah, d'accord. Ok, bon, on va essayer de se promener comme ça. On va faire comme Tayou Pai Pai. Oh merde, je voulais faire comme Tayou Pai Pai. Vous savez, Tayou Pai Pai, il lance un pilier et il monte dessus. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent Dragon Ball. C'était une référence. M'en fous. Ah bah voilà. Monsieur Freeze, vous avez bien changé. Oh putain. Faut retourner à Gotham, hein, ça va pas. Ça vous le marais, ça vous va pas du tout autant. Hein. Oh la bordel de merde. Bon par contre, vous allez l'air plus fort, j'avoue. Ah putain. Bon alors tout tu vas voir. Hop voilà. Ah oui, c'est comme les ravageurs, OK, j'ai compris. Attendez. Oh là là. Attendez, hop. Bonjour, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un à... Ah, j'ai presque fini. Ah bah ça va alors. Attendez, je vais lui faire une petite pique au fourche dans le cul. Mais tu vas me... Voilà. Bah voilà. Oh putain, bon ça... Oui, il a triplement bugué, mais ça a fonctionné, le petit coup dans le cul. Bon, alors on continue. Petit interlude, voilà. Bon, j'ai bien posé, hein, franchement, ça va. Alors, hop, on va le faire tomber tout doucement. Tout doucement. Tombe pas dans l'eau, du coup, hein, merci. Voilà, et lui, on le met ici. C'est pas encore bien mis. Pourtant, ça bouge quand même. J'aurais jamais dû douter de vous, bonhomme. Les habitants de Floodtown vous doivent vraiment beaucoup. Comme nous tous. Quand vous le pourrez, allez voir votre ami Zek. Il a un petit cadeau pour vous. Madame, vous avez un problème, que vous me dites? Il y avait une dame là tout de suite qui me parlait. Ou alors c'était un fantôme. Oh, j'ai pas tué beaucoup de monde. Mais je suis... D'accord, mais il y avait une dame. Alors vous me le direz en regardant la vidéo, mais... Bon voilà, vous prendrez pour eux. Voilà, j'aime bien les petits civils bien grillés. Bon bah écoutez, on va se finir là. Bon, c'était une mission un peu chiante, je vous l'avouerai. Il faut aller promener ce machin là. Bon, allez, maintenant je veux plus te voir, dégage. Voilà, il m'a fait chier. On va rechanger, on va reprendre ça. Parce que ça, je l'utilise presque jamais dans mes vidéos. Parce que j'y pense jamais. C'est pas ma faute. Je pense à porter les voitures et tout. Et je pense pas à ce truc magnifiquement stylé. Et qui peut faire très très mal en plus. Mais bon. Bon, bah voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, on a découvert des gros monstres super méchants et balèzes de ouf. Qui sont pas beaux. Et qui restent de glace devant nos blagues de merde. Ce qui me franchement me frustre un petit peu parce que franchement je trouve pas ça très sympathique. Quand on fait une blague, on se doit quand même de rigoler un minimum quand même. Hein. Franchement, c'est pas très poli de leur part. Et il y a un putain de fragment ici, je vois pas. Attends, t'étais pas un musicien toi? J'ai vu un musicien qui apparaît sur la carte ici tout à l'heure. Bon. Eh ben c'est pas grave, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on va finir quand même sur une beauté. Donnez-moi vos armes. Oh putain, c'est bon. Oh, saveur fruit mentelé. Oh oui, c'était tellement bon. Oh, bon, allez, salut tout le monde. Et portez-vous bien.
Je vous laisse juste un petit bonus pour ceux qui veulent voir. Sinon vous pouvez partir dès tout de suite. Juste m'occuper de ça en bas. Salut tout le monde. J'ai loupé. Ils sont où? Ah non, c'est juste lui. D'accord, mais mec, t'es au mauvais endroit. Il y a de l'eau. Bah oui. Et je peux pas le prendre, faut que je tombe. C'est comme un accident. Hop, voilà. De bagnole en boucle. J'adore ça. Ah, tu te répètes des, tu t'es déjà répété, tu l'as déjà dit ça. Bah mademoiselle, vous avez fait semblant d'être morte. Non mais est-ce que vous, il y a vraiment les gens qui sont restés jusque là au bout de cette vidéo? Non mais je me pose une question quand même. Non parce que vous savez que là, y a plus rien à regarder. Hein, je fais que de la merde, je me promène. Hein, regardez, hop, je vais dans l'eau, je me blesse. Bon bah c'est pas grave. Allez, ça tue tout le monde et partez pour bien. Oh chouchou, je fais le petit train. Wouhou! Salut tout le monde.